Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, jour de mage, on va voir toutes les nouveautés. En plus, on a eu une vidéo de Lilith qui nous montre tout ce qui va arriver. Des bonnes surprises, des très mauvaises surprises, également des attentes dans la taverne avec le nouveau commandant légendaire. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Aucune excuse pour ne pas s'abonner, pour ne pas venir sur le Discord. Vous y retrouvez toutes les infos, tous les screens en avance et bien plus encore. On va donc commencer immédiatement par cette petite vidéo de présentation et après on va voir ce que ça donne, ce qui est visible in-game dans les nouveaux events et les nouveautés ajoutées par cette mage. Kevin a tenu son délai, bravo à toi, 3 heures annoncées, 3 heures de maintenance pile poil. Regardez donc, Lilith nous a fait comme d'habitude une petite vidéo présentée par Kevina et son cousin Brian. Alors, ils sont toujours aussi dépressifs, hein, malheureusement. Je n'ai pas l'impression que ce soit la joie de ouf de travailler chez Lilith, hein, mais c'est toujours eux qui nous présentent les nouveautés. Vous allez voir, il y a des choses qui ont été annoncées qui sont légèrement différentes quand même. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Et d'autres, c'est de la balle, comme d'habitude, un savant mélange chez Lilith. Alors, au-delà le blabla de leur présentation, hein, ils commencent à être rodés à présent, vous allez le voir, ils vont nous montrer en détail ce que cette mage a apporté. Alors déjà, les events saisonniers, vous le voyez, c'est un event classique de récolte et à chaque fois, hein, il faut obtenir ce petit objet qui vous permet soit de monter dans la file à 7000 gemmes, soit d'être dépensé au store et vous pouvez acheter, activer des bundles pour ça. Et bien la grosse, très très grosse bonne nouvelle pour nous, c'est que cette fois, contrairement à ce que je pensais, on est sur un event avec la deuxième file à 7000 gemmes. Donc, les events de saison les plus rentables. Hein. Vous le voyez, pas de mauvaise surprise. Cette deuxième file, elle est vraiment tranquille. C'est faut l'acheter. Oui, investissez 7000 gemmes si vous les avez. En revanche, la troisième file, il faudra voir le détail, mais normalement, elle est éclatée. Et évidemment, si vous devez investir 10 balles, je vous invite à le mettre dans le nouveau bundle qui sort à chaque fois pour chaque saison. Ça sera beaucoup plus rentable. Vous aurez des petits items qui vous permettront d'avancer déjà dans les niveaux du festival de gala. Et en plus, vous pourrez avancer sur l'event spécial qui vous demande d'acheter 2500 gemmes par jour pour avoir un cumul d'achats et récupérer des sculptures en or. On en reparlera quand il aura pop, quand ils auront pop ces events. Mais ça, c'est quand même la très très grosse bonne nouvelle, cette deuxième file à 7000 gemmes. J'espère qu'ils ne vont pas nous carotter dans les rewards. Attention, néanmoins, si vous êtes en KVK, il va falloir faire du barbare, mais ne les faites pas sur votre KVK. Retournez sur votre royaume, sinon ça va vous coûter une blinde en PA, en poids d'action, sauf si évidemment vous en tapez. Ils sont plus durs, c'est plus long, vous mettrez plus de temps et ça vous coûtera plus de points d'action. Mais en contrepartie, ça vous rapportera énormément de points d'honneur pour votre KVK. C'est à vous de voir en fait sur ce point de vue-là. Il y a d'autres nouveautés. On va continuer hein, cette vidéo avec nos amis Kevin, Kevina et Brian. Il y a notamment les thèmes de ville, vous le voyez. Mais alors cette fois-là, Lilith ne s'est pas foulée du tout puisqu'au niveau des thèmes de ville, il recycle trois anciens thèmes. Alors peut-être vous ne les avez pas encore. Si vous ne les avez pas encore, hein, bah, ça sera l'occasion de les avoir. Hein. Mais la flèche de Cupidon, c'est un event qu'on avait eu pour la Saint-Valentin. La maison en pain d'épices. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un skin qu'on avait eu pour Noël. Hein, et la lanterne. Non, ce n'est pas la lanterne porte-bonheur. C'est les feux d'artifice, ville aux feux d'artifice qu'on avait eu. Alors là, je ne sais plus. Je crois que c'était peut-être pour le Nouvel An chinois et non pas pour le 14 juillet. Je crois que c'était le Nouvel An chinois en tout cas. Ces trois skins de ville, on les connaît déjà. Malheureusement, pas de nouveaux skins. Mais ceux qui sont les joueurs les plus récents dans le jeu
vont apprécier. Il en faut pour tout le monde. Moi, à leur place, je mettrais plutôt un store pour racheter ça au lieu de les proposer dans des events, puisque sinon, ça fait des frustrés chez tous les anciens joueurs. Donc, vous le voyez, hein, ces thèmes-là, ils ont ces skins-là, ils n'ont rien de révolutionnaire qu'il faut absolument posséder. Il y a en revanche des ajouts qui sont beaucoup plus stratégiques et techniques, je dirais, qui vont être utiles à beaucoup plus de joueurs, y compris les anciens. Cet ajout dans le KVK, je vous en parlais, ils ont rajouté des cristaux iconiques. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 cristaux iconiques. Là, il nous en montre un, et dans ces 4 cristaux iconiques, vous voyez celui qui monte, c'est le palier des 3 millions de morts, donc un palier qui est atteignable, hein. Il n'est pas insurmontable, ce palier, il faut un minimum s'investir. C'est pas plus mal, franchement, qu'ils en aient mis à ces barrières-là. J'espère qu'ils ont réussi à bien équilibrer, hein, les dotations de cristaux iconiques un peu partout, que ce ne soit pas que sur les kills que ça se fasse, hein, que ça se fasse aussi sur d'autres points qui peuvent être des points de coalition ou des points d'alliance ou de royaume, hein, les rewards de royaume. Ça peut être aussi super intéressant et motivant pour tout le royaume, pour tous les joueurs, d'aller chercher comme les coins rewards, hein, qui permettent d'acheter des plans. Ça serait intéressant s'ils mettaient aussi des cristaux iconiques avec. On poursuit donc cette petite présentation. Alors, je ne sais pas pourquoi ils leur mettent des plans où ils ne regardent pas les caméras. Là, franchement, c'est là, je sais pas, le caméraman, il était éclaté, ou le mec qui a fait le montage, il était éclaté. Il s'est dit, on va les prendre de profil, ils sont tellement beaux. Et donc, toujours notre ami Brian qui nous explique beaucoup de blabla. Ils essayent d'expliquer sans illustrer forcément. On voit leurs locaux, hein, là derrière, leurs magnifiques locaux. Et on sait, ils n'ont pas de bureau, c'est vraiment du flex office. Hein. Ils nous montrent le système là très intéressant qui est ajouté. Le système de troupes passif-agressif. Alors vous le voyez, il suffit de sectionner sa troupe et quand la troupe va être bloquée, eh bien elle va attaquer immédiatement la troupe qui la bloque. Alors, attention, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes plus en KVK et surtout que vous n'êtes pas dans le nouveau système de KVK Heroic Rotem, vous allez sortir autour, vous allez dire « Oh, c'est de la balle ce que tu nous montres, patatou, on va aller voir. » Bah regardez, je sors une troupe, je vais sur ma troupe, je fais exactement ce qu'il a montré. Hein. Je l'ouvre, j'appuie sur « I » et il me montre la même chose, la même séquence, mais je n'ai pas, oui, je peux continuer, c'est super. Je n'ai pas d'option passif, agressif quand j'appuie sur I comme lui, hein, il n'y a rien du tout. C'est normal. Cette option ne s'applique que sur le nouveau système de KVK, le système dit Power Sup, Power je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, encore des noms éclataxes au troisième sous-sol. Donc ne foncez pas pour le faire, vous ne pourrez pas le faire, sauf si vous êtes sur le nouveau système de KVK. Je pense que ça va être implémenté peut-être dans les jours qui viennent, hein, de façon plus large à tout le monde, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est disponible que sur le nouveau KVK, sauf erreur de ma part. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir me le dire sur le Discord. Bien évidemment, ça sera toujours un plaisir d'échanger là-dessus, les amis. On continue donc avec les présentations de nos deux vedettes, Kevina et Brian. Au-delà de ce système pour bloquer, ils nous montrent, hein, comment ça va se passer. Ils nous indiquent, là, ils nous disent, on a rajouté enfin un nouveau système qui fait que quand une troupe va être bloquée, il va y avoir un timer qui se déclenche si elle doit rejoindre un rallye. Vous le voyez là, des troupes qui sont censées aller en rallye sont bloquées. Eh bien, si cela arrive, si les troupes sont bloquées alors qu'elles doivent aller en rallye, eh bien, ces troupes vont devoir être attendues. Donc, il y a un timer qui se déclenche. Le rallye attend que ces troupes reviennent, mais le timer est limité. Si ce timer arrive à son terme et que votre troupe n'est toujours pas là, donc le rallye part bien évidemment. Jusqu'à présent, ça pouvait faire attendre le rallye très longtemps. Maintenant, le timer est tout de même beaucoup plus limité, apparemment. Je dis bien apparemment, à tester encore une fois pour ceux qui sont sur le nouveau système de KVK. Pour les grosses nouveautés qu'il présente dans cette vidéo, c'est à peu près la majorité. Il nous parle aussi là du nouveau système, puisqu'ils ont parfait les effets sonores comme tout le temps. Ils ont arrêté maintenant de faire ça. Là, ils refont les graphismes. Hein. Donc, ils racontent le nouveau système quand vous faites un misclick, vos troupes attendent, etc. Bon,
Rien d'extraordinaire selon moi. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est surtout du blabla pour mettre en avant les graphismes qui ont été retravaillés. Pour le reste de la vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est sur le Discord officiel. Vous aurez plus d'infos. On va pouvoir tester et voir ce qui a été rajouté plus finement. Là, par exemple, le nouveau système de tri des commandants. Perso, je m'en sers pas, mais certains doivent kiffer. Mais surtout, les amis, il a enfin été ajouté partout. Notre ami Thutmose 3 est enfin accessible dans la taverne. Un petit bêtisier hein, pour le fun hein, où il nous montre comment la vie elle est belle et comment il s'éclate chez Lilith. Hein. Normal, hein, grosse ambiance. Hein. Et on peut aller voir. Alors déjà dans le magasin d'expédition, est-ce que on a Thutmose directement disponible? Non, évidemment, hein. Il n'est pas là. Ils l'ont pas fait une petite mage pour le mettre. On verra demain s'ils l'ont rajouté, s'ils le rajoutent à la place des Telfeda par exemple. Moi j'ai presque 900 000 points, je pourrais claquer mais ils vont me limiter à 3. Donc il n'est pas accessible directement, ça aurait été bien à la place des Telfeda ou en cumuler, hein, rajouter une quatrième ligne comme je vous l'ai dit. Mais heureusement pour nous, il est accessible dans les coffres. Une dernière, avant d'aller voir les coffres, une dernière chose très importante que Lilith a fait, hein. Au niveau des KVK, au niveau des bastions à présent, il y a eu une modification et elle n'est pas négligeable. Si vous regardez le bastion, alors moi je n'ai plus accès à un bastion, mais si vous êtes en KVK, avant, les bastions, vous pouviez les refresh à l'infini avec un timer de 10 minutes. Eh bien, regardez aujourd'hui, c'est plus possible. Vous pouvez les refresh sans timer, mais c'est limité. Ah bon, en plus ça a bugué. Hein. C'est marrant comment c'est bugué. C'est limité à 5 fois par jour. Alors j'y retourne, regardez, est-ce qu'il va me... Ah non, je peux plus. Je vais d'ailleurs, je vais en sélectionner un autre. Vous aviez vu, hein, il y avait le petit 5. Hop, on passe sur celui-là. Ah, il me laisse plus. Ah, c'est marrant, il veut plus me laisser. Alors attendez, je vais sortir. Il est marrant, ce petit bug que je viens de découvrir en live avec vous. Il me l'a laissé le faire et puis finalement, il a changé d'avis. On va retourner sur ramasseur d'ordures. Est-ce qu'il me le repropose à nouveau? Donc on est passé d'un système où on devait attendre 10 minutes mais où on peut le faire à l'infini. Non, je peux plus. Où on pouvait le faire à l'infini ou je ne peux plus le faire du tout à l'infini. Je peux le faire que 5 fois mais sans timer. Perso, je trouve que c'est une grosse carotte parce qu'il m'arrive de refresh. Il m'est arrivé de refresh 20 fois, 30 fois dans la journée. C'est vraiment pour nous carotte. Et pour nous carotte comment? Bah, nous éviter de prendre de faire des refreshs pour avoir les quêtes qui rapportent le plus de points, les créations de troupes notamment, ou les accélérateurs pour la recherche, et donc ne pas avoir le boost de bastion le plus élevé, le plus rapidement possible. Donc c'est quand même une bonne carotte de Lilith, indirectement, pour nous soutirer un tout petit peu plus d'argent, comme d'habitude. On passe donc aux deux gros points positifs qui ont été ajoutés avec cette mage. L'ajout enfin de notre ami Thutmose 3 dans le store. Je vous avais dit gardez dans la taverne, gardez vos clés, on va faire des tirages. Et bien voilà, c'est le moment de faire les tirages. J'ai 356 clés. Est-ce que je vais enfin pouvoir l'avancer? Alors regardez, on va faire 6 petites ouvertures. D'ailleurs, sans faire le total, hein, comme ça on va bien voir ce que j'ai. 1, 2, on va passer à 3. Voilà, pour l'instant, toujours des tirages tout nazes. Hein. Lancelot, 4. Comme ça, on ne pourra pas dire oui, t'as pas comparé. 4 des étoiles, c'est la vie. 5, et je vais en faire une sixième, on va s'arrêter. Hein. Chiffre rond, 350. Je vous le rappelle, c'est simple. Hein. Pour que ça soit bien, il me faut... Ben voilà, j'ai eu Mitsurane Ishida qui ne sert à rien. Il faut que j'ai 350 sculptures, c'est bien. Moins il y a de farmer, mieux c'est. Si j'en ai moins de 300, c'est éclaté. Si j'en ai plus de 350, c'est de la balle avec le moins de farmer possible. C'est vraiment important. Est-ce que je vous conseille de faire des ouvertures à l'unité ou tout ouvrir d'un coup? Moi, je conseille de tout ouvrir d'un coup. Regardez, je fais mon petit coffre d'équipement, 262, et j'ai rien de légendaire pour 262 clés. Alors là, si j'ai une pierre légendaire, franchement,
J'ai fait un tirage tout naze pour 262 clés. J'espère que ça n'annonce pas quelque chose de mauvais pour mes 350 clés en or. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu autant. Allez, on traîne pas et on ouvre tout de suite. Oui, je veux ouvrir mes 350 clés en or. Est-ce que j'ai toutes mes 6? Oui, j'ai eu qu'une fois toutes mes 6, vous avez remarqué. Après, je l'ai eu pas mal, Regardons. Ouais, donc il y a l'air d'avoir quand même un petit bonus au nouveau commandant. J'ai eu quand même 30, 50, 60 sculptures de farmer. Alors, combien j'en ai eu? On va compter. 20, 20, 50, 50, 70, 100, 110, 130, 130, 140, 150, 160. 160, 170, 174, 174, 191, 203, 203, 215, 215, 228, 228, 241, 253, 263, 267, 274 et 293. Ah, toi aussi, apprends les maths avec Patatou. 293. Donc, j'en ai moins de 300, c'est un petit peu éclaté. Dans ces 293, même si on arrondit à 300, il y en a quand même 30, 50, 60 de farm, 73 de farm, soit 86 de farm, 98 de farm. Donc, j'en ai quasi même, j'en ai un tiers qui sont quand même des sculptures de farm. Au final, j'ai 200 sculptures qui valent quelque chose et j'ai débloqué toute Mosis 3. J'ai 30 sculptures, 29 sculptures. C'est pas énorme, je l'avais déjà débloqué, c'est pas énorme. Pourquoi ce commandant est intéressant? Donc si on va le voir, je dois avoir des commandants que je dois pouvoir finir. Medmet est finissable? Oui, Medmet peut être enfin expertisé. Ça, c'est quand même le truc. Allez, mets-moi son expertise et voilà, je l'ai fini. Il ne me reste plus beaucoup de commandants. J'ai Mulan, Mulan, je peux lui passer un level, ça fait plaisir aussi. 5, 5, 5, 1 pour Mulan, ça fait plaisir. Il doit en avoir d'autres, toutes mes 6, ça doit être le dernier et le seul. Voilà, je peux lui aussi l'améliorer. Je lui monte en 2, je le monte en 3 et je ne peux même pas le monter plus haut avec 350 clés. C'est malheureux. Pourquoi toutes mes 6 est un bon commandant à posséder? Alors, est-ce qu'il faut claquer des clés génériques dedans? J'irai pas jusque-là quand même, tout comme les autres commandants. Mais regardez, il a été ajouté au musée. Je suis impatient de voir les rapports avec lui parce que, à mon avis, ça va quand même être très sympa. Alors déjà, je vais débloquer Mulan maintenant qu'elle commence à être bien et je lui mets un petit 900. Donc maintenant, j'ai santé des troupes, plus 10%, réduction des dégâts de compétences, plus 10%. Ça va être très lourd, mon binôme, avec Mulan. Et donc, regardez ce bonus qu'ils ont mis à Thoutmose 3. Ils lui ont mis un plus 15% attaque des archers, plus 15% santé des archers. Je me demande avec des binômes. Alors, on a bien évidemment les archers connus comme Ramsès qui reste une valeur sûre. Mais Ramsès n'est pas le boss des rallyes. Le boss des rallyes côté archer, c'est Gilgamesh. En binôme avec Gilgamesh, je me demande très clairement ce que ça va donner. C'est à tester. Franchement, si vous l'avez à fond Gilgamesh, n'hésitez pas à tester. Et si vous avez toutes mes 6 déjà aussi à un bon niveau, je vais récolter des rapports là-dessus et je ne manquerai pas de vous les partager. Après, il y a d'autres commandants qui sont intéressants, comme vous l'avez vu Mulan. Mais là, le bonus de toutes mes 6 3, le plus 15, je l'avais vu annoncer nulle part, plus 15 attaques, mais plus 15 santé. Ça brûle quand même et ça va permettre de motiver les joueurs à booster ces commandants de taverne. En parlant de booster des commandants, dans les petites nouveautés aussi au niveau du bundle, regardez dans le bundle, non, c'est si, dans l'offre spéciale journalière, déjà vous voyez, il y a peu de lots, c'est assez étonnant. L'offre spéciale journalière, il y a un new, ils ont rajouté aussi Thoutmose 3 à l'offre journalière, vous pouvez même le monter par là, donc en gros ils veulent quand même qu'on claque pour le monter, c'est pour ça aussi qu'ils nous ont encouragé avec un icône, un artefact de musée qui est très performant. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous.
Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock. Make their head drop.